La garde à vue du navigateur Farah Al-Hasni ayant été prolongée, Omansai a décidé de ne pas prendre le départ de la Transajac Vabre dimanche. Omansai a annoncé à l'organisation de la course qu'il se retirait de la Transajac Vabre, dont le départ est prévu ce dimanche à 13h35 du Havre vers Salvador de Bahia. 4 350 000, 8 056 km. Cette décision fait suite à la prolongation de la garde à vue du navigateur Farah Al-Hasni, soupçonné d'agression sexuelle, vendredi soir. L'Omanais de 33 ans est le coéquipier de Sidney Gavinier, qui a cherché un remplaçant. Sitôt l'annonce officielle du forfait de Omansai, le monocoque a été sorti du bassin Paul Vatine, une demi-heure avant le départ officiel du ponton Havre, fixé à 9h. Les monocoques classe 40 ouvrent le cortège qui devrait s'achever vers 10h30 par les ultimes, les maxi-trimarans.